un mot facilement qui décrit Y a plus de caribou, c'est Gaspésie. C'est juste ça, le seul mot. C'est, tu te sens vraiment en Gaspésie quand tu es chez Y a plus de caribou. Juste l'expérience dehors est, selon moi, assez extraordinaire. Grosse terrasse sur le bord de la mer, sur le bord de la plage. Il y a les bateaux qui sont là. Là, il y a une marina juste à côté. Ça donne qu'on brasse la bière en même temps, mais il y a toute l'odeur de grain qui est dans les, qui est l'odeur de gruau un peu qui flotte dans les airs comme ça. Fait que c'est une expérience assez gustative. Puis juste à côté avec un restaurant, il y a de quoi passer facilement une soirée, même le lendemain ici, les plages partout à voir. Fait que le petit village de Lanse-à-Beaufils, incluant la brasserie, est vraiment un beau coin à arrêter dans ses vacances, c'est officiel. Dès que j'ai commencé à brasser, je pense, la première journée, j'ai dit « OK, c'est ça que je veux faire, t'sais. » J'ai pogné la piqûre tout de suite, là, dès ma première brasse, je m'en rappelle comme si c'était hier encore, là. Ouais. Ça, c'est vraiment comme une étincelle. J'adorais ça tout de suite, puis dans ce temps-là, c'était pas trop commun non plus. J'ai le temps aimé les affaires, moi, que les autres font pas. Comme un genre de l'expression « un mouton noir », un peu, là, tu sais. J'ai commencé à brasser chez nous en 2004. Dans le salon chez nous, comme à peu près la plupart des microbrasseries du Québec, là, les propriétaires ont tout le temps commencé à brasser chez eux parce qu'il n'y avait pas d'école dans ce temps-là. Maintenant, il y a un petit cours qui se donne à Jonquière de 6 mois, c'est très bien. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'école. Les seules informations qu'on avait, c'était vraiment sur Internet, en fait. Fait que j'ai appris à brasser sur Internet, beaucoup. Puis beaucoup par moi-même, essais-erreurs. Toute la patente, là, un petit peu comme un cuisinier commence à cuisiner chez eux. J'ai fait le même pattern que ça, en fait, là. Pas plus tard qu'un an plus tard, puis j'ai commencé à brasser. Je voyais qu'il n'y avait pas de microbrasserie vraiment dans l'est du Québec. Il y en avait une aux îles de la Madeleine, mais sur Terre, à partir du Québec, l'île du Québec environ, il n'y en avait pas. Fait que j'ai dit, ah ben quand, pourquoi pas, je vais l'essayer, tandis qu'il n'y a pas de microbrasserie. Puis dans ce temps-là, le marché était moins explosif qu'à cette heure, fait que... C'est sûr que vu qu'il n'avait pas, ça me disait « OK, ben il doit y avoir de la place, là, il n'y en a pas, tu sais. » Fait que j'ai commencé tout simplement comme ça. Puis le 1er janvier 2005, j'ai été m'enregistrer au Palais de justice. Puis j'ai commencé à magasiner des équipements. Après ça, je m'ai associé avec 2 autres personnes, qui est Benoît Couillard et Gilles Blanchet. Fait que maintenant, je suis rendu seul. Depuis 2014, j'ai racheté les parts. Fait que ça s'est passé comme ça, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu d'échec majeur jamais. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Ça fait 12 ans, là. On commence notre 12e année, puis ça a tout le temps bien été comme un peu un genre de rêve là, qui se termine bien quand tu te réveilles. J'ai décidé de devenir brasseur. En me posant la question, est-ce que je veux faire quelque chose qui va me passionner ou est-ce que je veux faire de l'argent, finalement? Puis ça a donné que j'étais dans ce questionnement-là, puis là, il y a le cours à Jonquière qui est ouvert. Puis j'hésitais, j'étais comme, ah, tu sais, je parlais avec ma copine, puis on s'est dit, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Puis finalement, comme 2 heures avant que le cours ferme, ben je me suis inscrit, puis j'ai comme été accepté. Fait que c'est quand même un
un bon dénouement finalement. Ben grosso modo, une journée de brassage, c'est un petit peu comme quand les gens qui travaillent en cuisine, par exemple, là, tu sais à quelle heure tu vas rentrer, mais c'est difficile de savoir exactement l'heure à laquelle tu vas terminer. C'est grosso modo, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'essayer de créer des nouvelles recettes. Là. C'est ça qui est cool. Là. Puis aussi de l'améliorer à chaque fois. Comme si on va faire une bière qui est standard, qu'on fait depuis 10 ans, ben c'est pas ça le défi, c'est pas ça qui te pousse à vouloir te lever le matin. C'est quand tu vas rentrer ici, tu vas faire des assemblages, c'est quand tu vas faire ta propre recette, que tu vas faire une fois, deux fois, trois fois, que tu vas essayer de la peaufiner à chaque fois. T'sais. C'est plus ça qui est intéressant dans le fait de travailler dans une microbrasserie que les moyens de pouvoir se donner les moyens de faire des trucs intéressants, là, finalement. Là. Depuis un an et demi, je pense qu'on a sorti comme une trentaine de bières différentes qui souvent donnent des résultats qui sont assez intéressants. Là. On a quand même une bonne liberté, puis Francis, le propriétaire, il nous crosse sur beaucoup de choses qu'on va faire, puis c'est un des bons côtés. Des fois, on hésite, on dit « Ouais, tu sais, Francis, je pensais faire ça, puis je suis pas sûr », puis il va dire « Ouais, non, vas-y, tu sais, on va l'essayer », puis souvent, ça donne que c'est super bon. C'est comme des bons hasards, c'est une question de gambling aussi un peu. Là. Ouais. Ben, tu sais, par exemple, cette bière-là que je bois en ce moment, c'est une bière, c'est notre bière blanche de base, qu'on va faire la blanche de Prato, qu'on a décidé de mettre en barrique, qu'on a laissé maturer en barrique, puis il y avait comme un petit goût de coriandre qui ressortait, puis on se posait la question, est-ce qu'on veut camoufler ce goût-là ou est-ce qu'on veut trouver une façon de trouver quelque chose de complémentaire qui va fitter avec ce goût-là? Puis finalement, je suis allé voir Aline, qui est la mère de Francis, qui elle est herboriste dans la vie. T'sais. Puis c'est elle qui a dit, ah ben, il y a telle plante qui vont peut-être fitter avec ça, dont le yégène. Fait comme, ok, ça, elle disait, ah, c'est un petit peu tangerine, puis tout. J'étais comme, ok, cool, on va aller voir. Puis finalement, on est allé voir, elle en avait planté dans les plates-bandes juste en avant, là, dans la brasserie. C'est ça, finalement, j'ai senti ça. J'ai fait comme, ok, non, ça, c'est vraiment cool. On a fait une infusion, on l'a mis dans le barrique, on a rajouté des fruits de la passion. Puis ça donne une bière qui est quand même vraiment flyée. Petit Caribou, dans le fond, le nom vient d'un personnage dans une émission québécoise qui s'appelle Séraphin, un homme et ses péchés. C'était un personnage qui était un alcoolique fini en marde. Francis Jonca, lui, a décidé de prendre ce personnage-là parce que c'est une émission qu'il écoutait régulièrement. Et on a ajouté le logo du pêcheur. Fait que le logo n'avait aucun rapport avec le personnage, mais on a vraiment juste pris le nom. On trouvait que ça fitait bien, puis on a mis ça avec le personnage du pêcheur. 11 ans après la création, je vous dirais qu'on doit avoir à peu près 45 employés. Si on parle vraiment de l'usine de production, le pub Petit Caribou à Percé, le pub Petit Caribou à Montréal, nos bières sont vendues partout au Québec. On a la chance aussi d'avoir un pub directement dans le centre-ville de Percé parce que l'usine est à 7 km avant Percé. Le pub est percé dans un bâtiment centenaire, un bâtiment qui date des années 1800. Juste à voir le bâtiment, c'est un bâtiment qui est imposant, à deux étages, en plein centre-ville de Percé. Fait que c'est super le fun, ça a gardé beaucoup le cachet, que ce soit les murs, le plafond, le plancher. Tu vois que c'est dans du gros bois, là. C'est vraiment là, quelque chose qui date des années 1800. Ici, on a pris une direction assez particulière chez Petit Caribou. On est, à ma connaissance, là ou l'une des seules microbrasseries au Canada à aller dans le développement de ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a deux programmes ici différents pour les bières de spécialité. On a le programme fermentation spontanée, qui est un petit peu la plus vieille fermentation au monde, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de levure. On a un gros bassin dehors qui donne carrément vers l'extérieur, c'est-à-dire que la bière se brasse pareil, comme une bière normale, mais le mou, à la fin de la journée, on le transfère là-dedans. Puis pendant la nuit, il refroidit, mais au contact de l'air. Ça fait que quand il atteint la bonne température, bien, toutes les levures puis les bactéries lactiques qui sont dans l'air ensemencent le mou. Fait qu'on n'a pas à mettre la levure nous-autres mêmes. Fait que ça, je sais qu'au Québec, je suis le premier à faire ça parce que c'était pas légal au Québec. Puis j'ai dû travailler sur la légalisation de la fermentation spontanée avant.
Donc la fermentation spontanée, on fait dans un bâtiment séparé de la brasserie. D'abord, c'est un bâtiment qui est plus près de l'eau, le plus près possible qu'on pouvait, pour qu'il y ait le maximum de vent qui puisse circuler autour de la pièce du bac refroidisseur pour avoir le maximum de micro-organismes qui vont ensemencer en fermentation spontanée. Également, sur ce bâtiment-là, on a construit un toit végétal parce que sur les végétaux, on retrouve justement beaucoup de cette flore qu'on recherche. Donc, ça va maximiser nos chances de les capturer ainsi. L'avantage de la fermentation spontanée, c'est qu'on va vraiment avoir une bière dont le goût va majoritairement provenir du terroir. Parce que justement, la flore dans l'environnement qui va causer la fermentation de la bière va vraiment grandement varier dépendant où est-ce qu'on va être. Qu'on soit ici en Gaspésie, qu'on soit à Bruxelles en Belgique ou à d'autres endroits aux États-Unis où on pratique ce genre de fermentation-là, l'effet de la flore de l'environnement va vraiment apporter un caractère unique au produit. Puis le deuxième aspect aussi, c'est qu'on isole des levures et des bactéries lactiques dans la forêt, c'est-à-dire à partir sur les fleurs, sur les arbres, sur les feuilles, l'écorce, sur plein d'affaires, parce que dans la vie, il y a beaucoup de levures dans l'air, c'est plein de levures. Si j'aurais des lunettes qui me permettraient de les voir, on se voirait même pas, moi puis toi, tellement qu'il y en a dans l'air présentement pendant qu'on parle. Fait que on isole ça en laboratoire à partir de pétris, puis d'un procédé qu'on a développé. Ça nous a permis de faire la bière La Flore du Québec, qui est une bière 100% québécoise avec toutes les matières premières québécoises dedans, incluant la levure québécoise gaspésienne. Fait que c'est un peu de là que ça m'est venu. C'est de l'accumulation d'expériences, puis de lisage de livres, puis d'expériences des autres que j'essaie de reproduire aussi. On remarque qu'on n'a rien inventé, là, tu sais. Mais c'est ça, j'essaie de maîtriser le concept. Comme n'importe quel peuple d'une région éloignée, les Gaspésiens ont leur fierté également. Puis je pense qu'ils se sont appropriés de l'image de Pied-de-Caribou, de la bière. Quelqu'un en Gaspésie, j'en entends souvent des anecdotes, sont fiers à l'épicerie, disent « Hey, ça c'est la bière de par chez nous ». Ou dans un festival, « Hey, ça vient de par chez nous, ça! » Pour les entrepreneurs, je pense que si t'aimes pas les défis, lance-toi pas là-dedans, là, t'sais, parce que avoir une entreprise, c'est un défi à tous les jours. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive, un problème à surmonter. Il y a des défis positifs, des défis négatifs, mais tu finis tout le temps par arriver à quelque chose, ça c'est sûr. Puis c'est ça qui me motive aussi, je pense. On s'est fait un nom pour ces genres de produits spéciaux-là, là, qui... moi, ça me fait triper d'être associé à les premières bières spontanées. J'ai l'impression d'écrire l'histoire un peu au Québec pour ces produits-là, parce que c'est pas compliqué, ils n'avaient pas, là, tu sais. Puis ça me motive à fond, là. Fait que oui, je suis totalement satisfait de la tournure que Pied-de-Caribou a pris avec les années, puis je peux pas m'en demander mieux, en fait.